Vous avez donc la délibération sous les yeux. Juste un petit rappel, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et dans l'historique qui nous lie à ce conflit depuis maintenant plus de 10 ans. Mais dans la procédure engagée par la société Cogiprom, la commune de Saint-Pierre, sur délibéré de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 2018, a été condamnée à verser une indemnité à la société, donc Cogiprom. Cet arrêté fait suite à l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle la commune était représentée par le cabinet d'avocats Maître de Renault. Et j'en ai eu donc connaissance le vendredi 14 décembre, donc très, très récemment. Et par rapport à l'importance de ce jugement qui lie la collectivité et la société Cogiprom sur ce conflit qui nous larde depuis assez longtemps, j'ai aussitôt demandé à mon directeur général des services de bien sûr d'en informer nos collègues élus en bureau municipal et aussi Marie-Claude Marlin pour la prévenir de la situation et de pouvoir bien sûr me donner l'autorisation d'abord de vous en informer en conseil municipal de cette situation et de prendre les dispositions comptables pour répondre à l'objet donc de la somme qui nous est demandée. Donc je remercie en conseil municipal cette acceptation, puisqu'il fallait que ce soit rapide, ou alors il fallait faire un conseil municipal spécifique pour cet objet. Je pense que vous auriez apprécié de venir le 24 décembre, le 31, ou trouver d'autres dates. Mais donc, il fallait faire quelque chose, et en même temps, il fallait aussi statuer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de rappeler que la société Cogim a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Pierre-d'Oléron à lui verser une somme, c'était à l'époque 9 638 278 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des annulations du certificat d'urbanisme préopérationnel et du permis de construire qui lui avait été accordé à l'époque. Par un jugement donc du 17 mars 2016, je résume à peu près, mais le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Pierre à payer à la somme de 500 000 euros à cette société, et par une requête enregistrée le 17 mai 2016 et des mémoires enregistrées le 1er mars 2017 et le 15 janvier 2018, la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, représentée par Maître Drino, donc demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 17 mars 2016. La Cour d'appel est intervenue donc, le 15 novembre 2018 et présente les différents articles que vous avez, articles 1, 2, 3, 4 et 5 en particulier, dire que la commune de Saint-Pierre a condamné à verser une somme de 852 888 euros, que le jugement donc, du 17 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er, donc ça évite de cumuler les sommes, c'est pour ça que c'est précisé comme ça. Bon, les 1500 euros au titre de l'article L761, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. De dire que l'article 4, le surplus des conclusions des parties, est rejeté et que le présent arrêt sera notifié par la commune, ce qui est fait. Je tiens aussi à préciser que nous avons versé et provisionné et versé sur un compte CARPA les 500 000 euros à cet instant, donc au 17 mars 2016 aussitôt, et qu'aujourd'hui on a un solde de 354 388 euros. Donc après il y a un tableau qui vous est présenté pour cette décision modificative pour que l'on puisse rapidement débloquer cette somme que bien sûr nous n'avons pas. Donc l'astuce est la suivante, c'est de pouvoir récupérer sur les comptes 611 250 000 euros, après de diminuer les dépenses prévues sur la rémunération principale, des autres charges, donc c'est de 64,88, et puis des petites sommes qui restent sur les subventions que nous avions prévues qui n'ont pas été consommées, et sur le GFP de rattachement. Je ne vous cache pas, sur cette délibération qui est si particulière, que nous avons bien sûr échangé dès lundi matin avec Maître Drino sur d'une part la position de la commune, donc ça c'est une chose, sur la réalité de cette condamnation. Il en ressort que les fautes commises par la commune sont incontestables, puisqu'elles ont été prouvées une première fois et une deuxième fois en 2008 par des courriers qui permettaient à Cogiprom, soi-disant par un certificat d'urbanisme, de pouvoir porter à construction cet espace alors que le PLU était annulé.
Puis une deuxième fois, en 2010, quand le permis de construire a été donc signifié et que la SPPIO s'étant engouffrée dans la brèche pour signifier qu'on ne pouvait pas accorder un permis de construire sur un espace sportif qui n'avait pas été modifié au PLU. Donc du coup, ça fait une double peine. Aujourd'hui, on en est là. Si je devais vous présenter les choses en toute honnêteté, partant de 9 638 000 euros en étant à 858, je me demande si, quelque part, on s'en sort pas si mal que ça, et que ça aurait pu être bien plus triste. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si on doit se pourvoir en cassation, saisir le Conseil d'État sur ce dossier. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais profiter du Conseil municipal pour vous dire, non pas pour en débattre, mais malgré tout, on peut quand même en parler, qu'il y a un risque majeur, puisque les fautes étant incontestables, on ne peut pas saisir le Conseil d'État sur d'autres formes que celle de la faute même. Et en l'occurrence, déjà, je ne suis même pas sûr qu'on puisse être retenu. Et deuxièmement, je pense qu'on prend un risque vraiment majeur pour éventuellement revenir à la source de tous les problèmes et que les communes soient condamnées à beaucoup plus. Donc on en est là. Je tiens en titre des informations et d'être totalement honnête par rapport à ce dossier Cogiprom, à vous dire que cette société continue à prendre rendez-vous régulièrement avec les services de la commune, les services d'urbanisme et les adjoints qui me font l'amitié de les recevoir à chaque fois pour nous présenter des projets qui sont plus ou moins les mêmes, revisités on va dire, pour reprendre une expression que nous entendons de temps en temps dans certaines émissions culinaires. Mais ils ont toujours l'intention de construire. On a essayé même de les aider en leur proposant de trouver des partenariats avec des bailleurs sociaux pour assumer la part donc, des logements sociaux qu'ils doivent à la collectivité. Donc on est toujours sur une marche en avant, avec une certaine inconnue, c'est sur la réalité de l'intention et du délai qu'ils accorderaient à la réalisation de ce projet. Je parle de Cogim, stade de foot, Vélodrome. Je ne parle pas de Cogim 1, qui lui aussi est en gestation. Ils ont demandé un modificatif, mais le projet devra aboutir. Je ne sais pas si on avance, mais je sais qu'à chaque fois que j'interroge Vissal Surba et Marc, ils sont toujours à la limite des 50% pour lancer l'opération. Bon, ça arrivera bien un jour. La place Gambetta étant suffisamment... Bon, Marc ne peut pas trop parler, il a été opéré d'une corde vocale, donc si vous l'entendez grésiller sur le côté, c'est normal. Mais toujours est-il que je dis ça en toute amitié bien sûr et donc toujours est-il que la place Gambetta étant suffisamment jolie et en ayant à côté un projet qui va sortir du sol incessamment sous peu, ça va certainement les stimuler pour qu'ils partent aussi sur leur projet, ce qui sera un bien pour tout le monde puisque plus les offres se mettront en place et plus ils auront de clients qui seront intéressés. Et c'est pas la petite guitoune qui a été mise au mois d'octobre qui suffit pour capter quelques personnes intéressées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette présentation rapide. Après, on peut rentrer plus dans le détail. Le jugement, il est assez long. On l'a étudié en long et en large. On est aujourd'hui... voilà, on est peut-être encore sur une phase de négo, mais je crains qu'il faille stopper à un moment donné l'hémorragie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette présentation. Si vous avez des choses à rajouter, je vous écoute. Après, juste, est-ce qu'on a une idée de ce qui a fait passer de... On disait bon, que c'était l'année du jugement, on disait que c'était 1 million pour partager, 500 oui. 000 alors, euros pour la commune, 500 000 euros pour Cogiprom. Mm. Est-ce qu'on a une idée oui. de... Déjà, c'est très facile. Vous conseillez de faire appel, parce que finalement, peut-être qu'il aurait peut-être fallu rester sur 500 000 euros. Oui, mais... C'était quand même mieux que sur 500 000. Marie-Claude. Et ensuite, est-ce qu'on a une idée, sans vouloir dévoiler tout ce soir, de ce qui fait que ça, on est passé d'un seul coup à 350 000 euros de plus? Très rapidement. Oui, après coup, on peut toujours dire... On aurait pas dû, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Bon, c'est facile de faire ce reproche, mais bon, il fallait peut-être faire appel ou pas. Puis de toute façon, on a eu la confirmation que Cogim faisait appel aussi. L'un dans l'autre, ils auraient fait appel parce que je rappelle que de 9,6 millions pour rendre que 500, c'était clair qu'ils n'allaient pas rester confortablement derrière leur bureau. Sur ce premier point. Sur le deuxième point, dans le jugement, il est bien confirmé qu'il y a bien 50% donc, de ce fameux 1,5 million euros de chaque côté. Sauf qu'ils nous ont rajouté les frais au-dessus des 500 concernant les frais d'architecte, les notaires, les expertises, les frais d'emprunt. Et c'est ces fameuses 355 000 euros qui sont additionnés et qui sont cet agglomérat. Très franchement, on pourrait le contester. Et c'est contestable. Mais là, on ouvre un peu une boîte de Pandore et on va au-devant d'autre chose. Voilà ce qui nous a été donné comme explication.
La difficulté, c'est que... En allant dans le Conseil d'État, le Conseil d'État va annuler l'arrêt de la Cour d'appel, va nommer une nouvelle Cour d'appel, qui ne sera pas la Cour d'appel de Bordeaux, mais d'un autre endroit. Donc on remet, si on peut employer le terme, le pied à l'étrier de tous les demandeurs à hauteur de 9 millions d'euros. On prend un risque. Soyons clairs. Donc, si j'ai bien... Voilà l'humeur de ce soir. Donc, d'une part, il faut délibérer pour accepter cette décision modificative. Bien sûr, je ne vous demande pas de délibérer ou de prendre une position sur cet appel en cassation. Vous avez compris quelle est notre position. Maintenant, on reste au tiers d'agir ou pas d'agir. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, je vais vous demander de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative? Est-ce qu'il y a des abstentions? On était un peu tentés, rien que pour... Non, mais il faut parler dans le micro. J'ai dit, on était un peu tentés. Je te sens tentative. Pour montrer un peu notre désaccord, et puis notre 850 000 euros, c'est quand même pas rien pour une commune. Mais voter contre quoi? Contre le jugement? Il y a eu des fautes qui ont été commises par le passé. Bon, il faut les assumer. On a un jugement qui est contre nous. On est tous d'accord pour dire qu'on est malheureux de ça, on n'a pas bien le choix. Quel choix, moi? D'autant plus que là, c'est plus... Alors, je vais demander d'abord de voter, et après, je vais dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, mais qui concerne les collectivités et les jugements en ce moment des tribunaux administratifs. Voilà. Je reviens sur ma position. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Trois abstentions. Quatre. Je comprends pas. Jean-Yves, tu fais quoi avec ton doigt? Tu t'abstiens. Quatre abstentions. Je croyais que tu faisais... Quatre abstentions. Très bien. Ok, c'est adopté. Maintenant, je vous remercie de votre vote. Il se trouve qu'en ce moment, les collectivités sont systématiquement condamnées sur tous les passages devant les tribunaux administratifs à croire qu'on est devenu, quelque part, une solution financière pour beaucoup, quel que soit le niveau et quel que soit les demandeurs. C'est assez étonnant. Ça m'inquiète un tout petit peu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est en procédure devant un TA, la collectivité, quoi qu'il se passe, même sur aucun tort, arrive à quand même verser des indemnités ou des indemnisations. On a des situations assez curieuses de personnes qui, par exemple, se blessent sur le domaine public, en marche arrière, et dès qu'ils trouvent un défaut, un éclairage, une pancarte qui n'est pas à la bonne hauteur, qui manque un centimètre, systématiquement, ils demandent grief et dommages et intérêts à la collectivité. Et on a aujourd'hui une batterie d'avocats qui, alors je dis, Jean-Yves, tu ne vas pas te vexer, mais qui sortent des belles études et qui sont spécialisés en la matière pour aller chercher de l'argent auprès des collectivités. C'est un peu déplorable. Je dirais que par rapport à l'humeur du moment, je ne sais pas où on va, mais ça m'inquiète un peu. Ça, c'est plutôt personnel.